Je m'appelle Moses Moubarak, je suis le gérant des salles de sport Elevate et je suis un ancien basketteur professionnel. Je suis dans plusieurs clubs en France et un peu à l'étranger. Et à la fin de ma carrière, à un moment donné, je me suis blessé. On m'a dit que je pourrais plus jouer au basket quand même. Donc c'est ce qui m'a permis, ce qui m'a forcé à investir. On m'a orienté pour faire, pour reprendre une salle de sport. Donc c'est de là que j'ai monté, bon, à l'époque ça s'appelait Easy Fit, maintenant Elevate, la première salle au Chartron. Pas mal de questions par rapport au marché du fitness, nos techniques marketing, comment nous on s'en sort face à des mastodontes et comment d'une carrière professionnelle de basket on arrive à être gérant de salle de sport. Voilà, pas de questions indiscrètes. Moi je pense que déjà il y a une grosse quantité de travail à donner, pas compter 16 heures. Et la deuxième, c'est toujours se remettre en question. Parce qu'on n'est jamais arrivé, et même quand on croit qu'on est en haut, on tombe rapidement, très vite. Donc du coup, il faut toujours se remettre en question, et surtout beaucoup travailler, et après, on s'adapte, et après, on rebondit, quoi qu'il arrive. Le milieu du sport, c'est un peu comme le business. Donc si, avec une formation comme ça, même s'ils ne rebondissent pas dans le sport, ils vont rebondir dans une autre société, ou dans un secteur très concurrentiel, parce que le sport c'est quand même avant tout la compétition. Bah, vous avez une super école et surtout ils ont vraiment de la chance d'avoir des profs comme ça et un cadre de travail comme ça. Donc il faut vraiment qu'ils se donnent à fond pour vraiment atteindre le maximum de leur potentiel.